Le plus grand problème ici en Mbujimayi, ça a toujours été l'emploi. Et l'emploi, c'était l'AMIBA. À part le problème de l'AMIBA, c'était le problème d'eau et le problème d'électricité. Tertio, c'était le problème des infrastructures, principalement nos routes, parce que la province était enclavée. J'aimerais bien vous informer que depuis un mois, on a déjà démarré les travaux de la construction du barrage de Katende. Et que dans 24 mois, 38 mois tout au plus, on aura le courant de Katende, 64 kV, ici dans la ville de Mbujimayi, pour les deux provinces. Province du Kasaï oriental et la province du Kasaï occidental. On a appuyé l'AMIBA et que cette action d'appui à l'AMIBA va se poursuivre jusqu'à la reprise totale de cette société. Et qu'il reste encore, je sais, je suis conscient qu'il reste encore plusieurs défis à relever. Je sais, je me répète, qu'il reste encore plusieurs défis à relever. Et dans plusieurs domaines, que ce soit dans le social, l'éducation, la santé et les infrastructures. Mais qu'il y a déjà des actions qui sont en cours pour relever ce défi. Et l'objectif principal, c'est de faire en sorte que la province du Kasaï oriental soit désenclavée pour permettre aux produits venant, que ce soit de Lubumbashi, que ce soit de Kinshasa, d'arriver ici et dans de très bonnes conditions.